na natif ya Lemba, okay. Na koli na Lemba, batyos wa moni na yi ndenge na koli awa. Okay. L'objectif aussi est de sensibiliser. Sensibilisation paye à Bandeko, bas ba carte, na bango bas s'enrôler et comme paye dans le pays, nous sommes entre autres France, Belgique et tant d'autres. Et après, on peut s'appeler Bandeko message que partout au Bazali, Bandeko bas la carte na bango parce que en ayant cette carte, on peut son droit à vote et on peut son droit à choua moko na vie et droit à consentir. Remarquez que tout le monde est là, il est là pour le faire. Et puis, il y a une surprise, il y a une mobilisation. Moi, c'est une affiche qui a une surprise. À Sali Bongo, ils ont décidé de m'accompagner. Mais Olingi, pourquoi ma députée? Pourquoi n'a merci à la prophétie, na, le rôle confirme. Parce que n'a qui a été pour. Ce matin, je suis mandatée par le gouverneur parce qu'on ne laissera pas échapper M. Addo. Donc on va l'amener dans l'ACP, on va très rapidement faire notre adhésion pour que notre ACP donne un grand coup de pouce au gouverneur. Pas pour lui, pas possible.
Voilà les derniers. Bienvenue. Je sens que vous avez encore de la sueur. C'est pas facile, c'est une histoire de caresse. La fille, c'est déjà une amie, mais une amie, ça ne cesse pas à être possible. De le regretter un petit peu. Je suis devant votre fiche. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à Lemba. Toute la presse congolaise est venue accompagner monsieur Adoyou pour prendre sa carte de lecteur. Et voilà, nous allons le laisser un mot à dire. Mais il n'est pas venu seul, il est venu avec l'honorable Pepito Kilala. Nous allons aussi chercher à savoir la relation qui réunit en fait monsieur Ado et honorable Pepito Kilala. Salut Ado. Oui, bonjour à tous. Et comment vous allez? Oui, sentez bien. Nous avons Dieu fait grâce. Voilà. Bon, on se sentir très bien aujourd'hui. Toute la foule, il y a commune, il y a Lemba ainsi que Mohamba Baye pour accompagner pour Ozoa carte de lecteur. C'est quoi déjà votre sentiment et c'est pourquoi cette obligation à Ozoa carte de lecteur na Lemba? On est un plaisir parce que na natif ya Lemba, na koli na Lemba, batyoswa moni na yi ndenge na koli awa. L'objectif aussi est de sensibiliser et que sensibilisation pe ya bandeko ba zwa ba carte na bango ba s'enrôler et comme pe na ba pays mususu entre autres France, Belgique et tant d'autres. Et après on peut ça peut bandeko message que partout au Bazali bandeko ba zwa carte na bango parce que en ayant cette carte on peut son droit à vote et peut son droit il y a choua moko na vie et droit à consensurer. C'est ça, et voilà pourquoi on appelle la démocratie. Na payo era la démocratie, violence et résoudre ma kambouté. Mais la élection de résoudre ma kambouté, parce que boye bandenge ya kopona, nani to kopona, nani ya koza la malam pona biso. C'est dans ce cadre-là que je me suis dit aussi de sensibiliser aussi la jeunesse
congolaise en particulier et tous les Congolais en général. Et vous savez que Babé a souvent le patrimoine, il y a diaspora. Vous parlez au bord de Michael Jackson, il y a diaspora. Non, là c'est prendre quand même la tête. Moi partout on a Komaka, Babdopta, Ngaï facilement. Regardez les gens qui sont venus ici. On remarque que les classes Moko Oe, Laksake, quand même que ma gêne ba na difficulté na mboka au moins on a tenu la classe mo bon a coopérer na ba massa to cola na ba massa balaka balati ba jean ba veste ba nini on remarque ba tout oyo ba e awa ba e na mutema na bango et puis ba sali nga surprise ya mobilisation oyo de moi sali nga affiche kaka surprise a sali bongo ba tata ba mo nango ils ont décidé de m'accompagner. Voilà, voilà. Vos questions bande de ba tata biso partout dans le monde toutes nos questions Alobi Ado, vous avez déjà bien, vous êtes journaliste, vous avez la photo. Mais pourquoi on dit que vous avez été comme député de la République démocratique du Congo? Pour vous avez déjà vu que vous bien, tout le monde a été un artiste, Michel Mboka, mais vous avez été comme député. Pourquoi on a merci à la profession, le rôle confirme. Parce que je suis allé pour. Non, ça qui était que nous posé candidature. Mais quand c'est bon, on ne va pas faire ça, on ne va pas te bêler, on va aller. Cabine, quand on est là, quand on est là, on est bonne foi. Au moins, on est bonne foi pour accompagner. On est bonne foi pour organiser pour accompagner. Ce qui est la volonté, on est bien et surtout. Je suis quand même Moutumogo, Nazalara, Ndeko, quand même Balinganga, trop surtout jeunesse sur la diaspora. Ce qui est la volonté de Bango, et c'est définir quand une image. Ce qui est définir une image, pour comprendre que. Nago postulé, pour comprendre. Et surtout, j'ose croire aussi parce que. Bah, t'es belé, regarde. Tu vois, quand le maman te porte dans le thème, Bango, une si belle et grande dame a ses noms. Il y a qualité, hein, parce que bah, comment on se voit ça là, mais par défaut. Mais il y a qualité. Comme Pepito Chilala, qui se déplace. Abina accompagné. Vous croyez que les amoukiers, vous avez vu comment ma âge, ma maman, ma coco, Oyo ba yambi ngai. Bokani Sango, les amoukiers, je pense que y a ba bien fait de témoigner. Na koye ba kozalandez au témoigner. Peut-être que c'est la volonté d'Abino. Peut-être que j'ose croire que je vais peut-être changer les choses. Parce que sur Otali Atalelo na presse, il y a au Alobi pas une émission sans un peu qui a deux you et nakati. Aujourd'hui, j'ai révolutionné quand même quelque chose de positif. Et c'est répondre partout. Parce que je me dis, c'est pas seulement avec l'intelligence qu'on doit construire la République démocratique du Congo. Mais la bonne foi. Et à plus forte raison, je n'accorde pas ma cambo avec la bonne foi. Mais si c'est votre volonté, et si ils ont destin en Haïti, bon monde, mais pour le moment, ils en ont défini. Mais tout le monde rappelle ce qui est journaliste à côté, Nakati Moussala comme député. Alembi ça rappelle Moussala, tout le monde rappelle Bandego Bélé, parce que journaliste, soit comme député, Alembi Naé. Député pour nous, est-ce que ce que comme il est là, député, ou tu rappelles Moussala? Non, le journalisme, Nalobango, c'est une profession à vie. À Tokewa, à Tozongiwa, et on a un sens nyonso et à la manière ya ko communiquer. Je ne suis pas encore là vous confirmer tellement sur ma candidature que je n'ai pas encore confirmé, je n'ai pas encore précisé, mais dis donc vous serez dans les jours à venir parce que je dois quand même chercher comment. Maintenant, je dirais non, un moment. Hein, parce que dis-sonnier sur ton bique, tout ça pour que le Congo ait changé. Bien avant, je n'ai pas eu cette occasion ni cette chance. Il y a pour changer de nationalité, c'est que je préfère pas et je préfère pas. Je préfère rester congolais, noir et je suis fier de l'être. Mais pour que vous ayez que chaque année, je vais savoir. Mais pas pour confirmer candidature. Oui, parce qu'avant, il faut que se définir. Quand on a dit que c'est un candidat, tout dans la partie, elle, c'est pas la politique qui nous réunit.
Parce que si la politique commence seulement à nous réunir avec des grandes dames comme ça, c'est que Boye va falloir qu'on va jouer en athée. C'est pas seulement la politique qui nous réunit. Elle, Azarana Batéa Moué Bélé, c'est pas seulement la politique. Et elle, telle qu'elle est là, Boye va fonctionner Bélé à Zona Mbokoyo. À un moment, Boye Binda Komissa, la commune à Kinshasa. Aujourd'hui, vous savez comment Kitambo est vibré parce qu'elle est là. Est-ce que Badiou Zobana Kitambo Baba ta partie politique n'a eu? Non, elle travaille pour le Congo. Et elle sait juste Makambo na Salaka. Le va valeur va mérite Bélé va taper ça en aïe. Les Arabes pour la partie politique. Non, mais dans les jours à venir, ça va se définir. Et je vous dis. Maman, ah, que pardon. Journaliste, on m'a député, message non fait ça. Et ça laisse un moment, et voilà. Parce que j'ai ma difficulté par rencontre. Et na salé linaïe, n'est-ce pas de observer à quoi porter changement. Parce que le but, c'est que vraiment notre pays doit changer. Et notre pays va changer par et avec des bons animateurs. Moi, j'ai eu ma fonction à la commune de Kinshasa, j'en ai une autre à la commune de Kitambo. Je suis la seule à être reconduite et je fais mon travail. Ce matin, je suis mandatée par le gouverneur parce qu'on ne laissera pas échapper M. Addo. Donc on va l'amener dans l'ACP, on va très rapidement faire notre adhésion pour que notre ACP donne un grand coup de pouce au gouverneur pour aider à Longa, à Mandanaïm. Avec Addo, ça va être une grande histoire parce que nous partageons également la même confession religieuse. Donc comprenez que je viens de le dire. Comprenez que je suis là pour le soutenir, je suis là pour l'aider à parfaire, je suis là pour lui donner lui ouvrir de grands chemins. Et donc lui et moi et les gouverneurs, ça ne peut qu'aller de l'avant. Bon, merci, honorable. Merci. Je tenais pour terminer, je tenais à remercier Bandeko Nyonso Boye. Bandeko Nyonso Boye, na propre volonté, na bango. Donc merci beaucoup. Na remercier na nous, na obanda na ba organisation oyo. Na ba ndeko seni, o ba yambi biso, o ba osala musala. Je dis merci infiniment au soleil. Au soleil qui éclate et qui donne cette lumière. Merci infiniment au soleil. Je dirais également merci à Gentilimba Kangobila, le premier citoyen de la ville, le suprême. Merci. Et je dirais un grand merci pour terminer. Lui, il est au-dessus de tout. Il représente tout pour moi. Un grand merci à toi, papa. Sa grandeur spirituelle, le prophète Conde Paul Dominique. Un grand merci. Et maman Safala. Merci à ma journaliste. Merci à Bandeko Nyon sur la presse. Bandeko Nabiso Balobaraya Internet. Aujourd'hui, Internet et Bandai le rôle à Bagé et Bandai le rôle à Kotchola. Les lots beaucoup utiles. Beaucoup mieux communiquer facilement. Beaucoup mieux communiquer peine à seconde. Merci infiniment. Merci également à ma confrère, à ma concierge, à Nabiso Nyon sur, à ma Kuluto Nyon sur Bazalawana. Et j'embrasse aussi mon fils, le prince Abinoam. Merci beaucoup. C'était question de vous dire seulement merci et un grand merci aussi à Pepito Kilala, cette grande dame. On l'appelle déjà Excellence. C'est Roland de ma maman Valiraka. Merci Elenga Kongo. Voilà. C'était Kongo Mokili Télévision.